Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch qui vous permettra de rendre votre voiture totalement invincible. Donc quand je dis invincible, c'est invincible seulement aux explosifs. Donc la manip est vraiment très simple et se réalise en solo. Donc comme vous le voyez actuellement, Venger est en train de me tirer dessus avec un tank, donc ce qui prouve bien que ma voiture est complètement indestructible. Malheureusement, si quelqu'un vous tire dessus avec une mitraillette, votre voiture prendra des dégâts. Si vous rentrez dans un mur, votre voiture votre voiture prendra des dégâts à son tour. Donc il vient de m'écraser, je ne suis même pas mort. Ma voiture est totalement indestructible. Donc pour réaliser ce glitch, c'est vraiment très simple et vous n'avez besoin que d'être tout seul. Vous avez besoin d'être seul, hein, il n'y a pas besoin d'avoir une autre personne. Vous allez tout simplement vous munir de la voiture que vous souhaitez rendre indestructible. Et après, vous allez tout simplement vous rendre au Los Santos Custom. Donc je sais qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont fait cette manipulation, donc écoutez bien la vidéo. Il y a des youtubeurs qui ont déjà fait cette manipulation. Moi, c'est pas exactement la même chose. Donc c'est moi et Avenger qui avons trouvé à peu près le même style de manipulation, mais c'est pas forcément la même. Donc ne criez pas au plagiat dans les commentaires, regardez la vidéo et écoutez un peu ce que j'ai à dire, parce que beaucoup de personnes mettent plagiat et survolent tout simplement la vidéo. Ils coupent le son, ils survolent la vidéo et ils voient la même chose et du coup ils se disent ouais c'est du plagiat. Mais écoutez la vidéo et après je pense que vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Donc je vais tout simplement me rendre au Los Santos Custom. Donc j'ai eu quelques problèmes avec les militaires. Donc je fais ça tout simplement pour vous montrer qu'il n'y a aucun montage ni rien. Moi en attendant, je vais vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches d'argent que j'ai réalisé en vidéo. Ou si jamais vous cherchez des personnes pour jouer avec vous, n'hésitez vraiment pas à faire un tour. Et pourquoi pas poster un statut sur ce groupe. Donc Venger et moi acceptons quasiment tous les messages, sauf les messages vers les chaînes YouTube, les rassemblements, les lobbies, etc. Donc je le dis comme ça, c'est clair. Donc nous n'acceptons pas ce genre de messages. Rejoignez aussi ma page Facebook, mon Facebook personnel. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Et pourquoi pas rejoindre la chaîne 100% course. Je viens de recruter des modérateurs. D'ailleurs, je leur fais une petite dédicace. Donc il y a Just et Raptor, donc je leur fais une petite dédicace. Donc je viens tout juste d'arriver au Los Santos Custom. Donc une fois que vous êtes dans le Los Santos Custom, si votre voiture est abîmée, vous allez tout simplement la réparer. Mais si elle n'est pas abîmée, bah tant mieux. Donc vous allez rester sur l'écran type, vous allez tout simplement faire start en ligne et vous allez tout simplement trouver une nouvelle session. Une fois que le message trouver une nouvelle session est accepté, vous allez tout simplement spammer le bouton Y au début et non pas à la fin. Donc vous allez pouvoir voir que le chargement va beaucoup bugger quand vous allez monter dans le ciel. Le chargement va vraiment bugger. Vous venez de le voir, c'est resté figé quelques secondes sur ma voiture, etc. Ça va vraiment bugger. Si ça bug, vous avez 98% de chances de réussir la manipulation. Donc vous spammez le bouton Y jusqu'à ce que le dézoom, jusqu'à ce que le zoom apparaisse. Donc là pour le moment vous continuez à spammer le bouton Y. Et une fois que vous avez fini de spammer, vous allez voir que vous allez retomber dans la session et dans le Los Santos Custom. Vous allez tout simplement arrêter de spammer le bouton Y. Donc moi j'ai arrêté de spammer le bouton Y. Et si tout se passe bien, vous allez réapparaître dans le Los Santos Custom. Votre voiture sera en lévitation, mais vraiment très haut. Elle sera en lévitation dans n'importe quel Los Santos Custom. Elle sera en lévitation très haut. Et après, vous n'avez plus qu'à rentrer dedans, faire flèche de droite pour entrer dans le Los Santos Custom. Vous n'avez plus qu'à faire B, vous allez sortir du Los Santos Custom, je vais jeter des grenades parce que j'avais plus de bombes collantes. Et vous allez pouvoir voir que ma voiture sera totalement indestructible. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch. Il est vraiment très simple et très fun. Vous allez pouvoir troller énormément de personnes, surtout si ces personnes ont des tanks. Moi je vous invite à lâcher un petit like et pourquoi pas le partager sur Facebook et Twitter si jamais ça vous a plu. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de likes sur mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de voir un maximum de likes. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou Call of Duty. N'hésite vraiment pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu veux recevoir plus de vidéos sur GTA 5. Moi je te laisse, je te retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao bébé tout le monde.